À la maison, femme et enfant m'appellent souvent inspecteur Gadget. Un surnom qui amuse Najib, passé maître dans l'art de mener l'enquête. Voilà les deux soudures, une et deux, qu'on doit absolument faire aujourd'hui. Mon métier, c'est l'inspection et le contrôle sur des structures métalliques. Un seul objectif pour notre expert, traquer les fissures et corrosions susceptibles d'endommager gravement les équipements jusqu'à l'accident. Le risque, c'est une rupture et la catastrophe. L'enjeu est de taille. Et pourtant, pour parvenir à ses fins, Najib utilise la méthode douce, le contrôle non destructif. Autrement dit, sans découper la pièce, sans la gratter, sans toucher à l'intégrité de la pièce. Radioscopie, ultrason, magnétoscopie, à l'aide de techniques innovantes, Najib ausculte les structures dans les moindres recoins, même les plus inaccessibles. Comment ? Grâce à un travail en étroite collaboration avec des cordistes, ces fameux spécialistes des travaux en altitude. Ces cordistes sont pour moi mes yeux, mes mains. J'ai besoin d'eux pour pousser la sonde sur les différentes zones que j'ai besoin de contrôler. Au départ ! Départ ! Top ! Arrêt ! Il n'y a pas une petite corrosion là ? Ouais. Bon. Ah, ok. Bah, on la voit, mais elle n'est pas importante. On arrête là, on passe à une autre zone. Aujourd'hui, la fine équipe travaille à 50 mètres de haut, sur le bec avant d'un portique portuaire. Ah, c'est un travail de fourmi. Vraiment, il faut être très minutieux, refaire les gestes plusieurs fois, questionner les cordistes alpinistes plusieurs fois. Est-ce que vous avez bien vu ça? Est-ce que vous avez bien regardé cette zone? Est-ce que vous êtes bien passé sur cette soudure-là? Alors si on est curieux, c'est un métier qui est vraiment extraordinaire. Le terrain de jeu de ces spécialistes en matériaux, raffinerie, industrie chimique ou encore parc d'attractions. Bref, une opportunité de carrière hautement recommandée.